están todos? Hoy vamos a hacer un video para saber qué pensamos nosotros, los franceses de España. Bueno, voy a opinar yo y luego voy a preguntar a la gente en la calle. Bueno, yo que he vivido en España como 6 meses para estudiar en Alicante, me encantó entonces de España la gente, que es bastante calurosa. Bueno, depende, porque hay muchos que son un poquito fríos, pero muchos también muy amables, que les gusta la fiesta. Bueno, son más amables que en Francia, pero un poquito lejos de la gente latina, en el sentido de que algunos sí son un poquito amargados, pero la mayoría de los españoles sí son muy amables, sobre todo los jóvenes. Bueno, los viejos también, depende. Y me encantó entonces la comida, la paella, las tapas, los montaditos, todo eso me encantó mucho. La playa, bueno, es que estuve en Alicante, las españolas son bastante lindas. Bueno, los paisajes son súper hermosos. Visité Barcelona, muchas ciudades muy lindas, me encantó mucho. Pero bueno, entonces esa es mi opinión, que a mí me gustó mucho. Ahora vamos a preguntar a los franceses a ver qué piensan. D'accord. Bah, vous situez aussi l'Espagne sur cette carte de l'Europe? Bah, quand même, elle est. Non, là. Bah, ouais, voilà, elle est là. Voilà, oui. Très bien, la capitale de l'Espagne. Oui, très bien. Et des plats typiques d'Espagne? Des tapas. Tapas, paella. Ouais, paella. Et ça vous fait penser à quoi d'autre en général en Espagne? Les cucuñas du taureau. Ah, voilà, ouais. Et ça vous fait penser à quoi d'autre à part la nourriture? Bah, le beau temps, la mer. C'est ce que vous avez dit aussi, c'est quoi? Les taureaux, ouais, très bien. On est filmé là? Oui, c'est pour en fait une vidéo sur les Espagnols qui veulent savoir que pensent les Français de leur pays en fait. Ah oui. Donc, c'est assez culturel comme vidéo. Vous savez quelle langue ils parlent en Espagne? L'espagnol. Vous voulez dire quelques mots aux Espagnols? Non. Hola. 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 Mais si tu veux. D'accord. Non, j'aurais bien aimé, mais je ne sais pas parler. D'accord. Est-ce que vous pensez que les Espagnols en général c'est assez chaleureux? Oui, oui, si. Si, j'en connais quelques-uns, si, si. Puis la langue, elle est sympathique à parler aussi. Oui, elle est sympa. J'aimerais bien, moi, savoir. Mais bon, je ne sais pas, je ne ferai pas. Et voilà, c'est comme ça. On parlera avec les mains. Oui, non, mais là-bas aussi, il paraît que ça parle pas mal français. Donc, aussi. Ah oui, à Barcelone. Oui, à Barcelone, oui. On en parlait justement avec ses amis à Barcelone. Oui. C'est une très, très belle ville à visiter. Oui, c'est vraiment joli. Oui, il y a pas mal de choses à faire. Et je pense que l'année prochaine, on ira. D'accord. Voilà. Une question, dernière question, pour oui. Prendre votre temps. Est-ce que vous sauriez citer des joueurs de football espagnol? En ce moment, l'Espagne, le football, ça... Maradona? Non. Argentin. Par exemple Zidane. L'entraîneur, je ne sais pas. Iniesta, ça ne vous dit pas quelque chose? Sa vie? Honnêtement, je ne regarde pas. Non, franchement, non. D'accord, ben... Désolé. Vous pouvez dire adios, alors. Adios. Au revoir et merci. Au revoir, merci. Bonjour, vous êtes. Questions sur l'Espagne, c'est le temps ou pas le trop? C'est 2 minutes. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez retrouvé l'Espagne sur cette carte? Donc là on a l'Europe. Oui. Là. Ouais, très bien. Ici. Ici aussi. D'accord. Si je vous évoque l'Espagne, ça vous fait penser à quoi? Vacances. D'accord. C'est la langue qui est parlée en Espagne. Espagnol. Ça veut dire quelques mots en espagnol pour les Espagnols? Hola, está bien. Très bien, ouais. Je crois. Et est-ce que vous pouvez évoquer des danses espagnoles qui sont connues ou qu'est-ce que ça danse? Salsa. Salsa? Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez que les Espagnols en général sont plutôt chaleureux, plutôt froids? Oui, chaleureux. Les populations du sud sont très chaleureux. D'accord. Est-ce que vous pouvez évoquer un plat de la gastronomie espagnole? La paella. La paella, ouais, très bien. Donc si vous devriez voyager en Espagne, vous serez plutôt content? Bah oui, oui, pour la suite, pourquoi pas. Et football espagnol, vous pouvez dire quelques noms des joueurs connus d'Espagne? Oula, je regarde pas trop. Pas trop le football? Non. Et la capitale, la dernière question de l'Espagne, c'est quoi? Madrid. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup alors. De rien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, j'ai le temps de répondre à une question que je vous ai sur YouTube. Ça vous dit? Très rapide. Très rapide, oui. D'accord, bah, c'est pour une vidéo sur YouTube. En fait, c'est pour les Espagnols d'Espagne, ils veulent savoir que pensent les Français de l'Espagne. Donc si je vous dis Espagne, ça vous évoque quoi directement? Les vacances. Les vacances. Les vacances, le soleil, un peu de détente, voilà. D'accord, vous seriez situé l'Espagne sur cette carte du monde? Bien sûr, c'est à côté du Portugal. Il y a un petit zoom ici. Oui, un petit zoom ici, bah, l'Espagne est ici. Hein. Très bien. Ah, donc ouais. Niveau gastronomie espagnole, vous seriez dire un petit plat ou deux petits plats ou... Pas vraiment de plat, mais c'est vrai, c'est très très... C'est très bon, c'est là. J'ai pas de nom précis. Ah, la paella. Voilà, je sais très mal les noms, mais...
Mais je sais que c'est très bon, j'ai plusieurs fois en vacances là-bas. Et c'est toujours très bon, c'est toujours très convivial l'espagnol. Ah, vous allez souvent en Espagne ? J'étais, ben, j'étais deux fois quand j'étais plus jeune. À quelle ville vous êtes allé à peu près ? J'étais vers Madrid, etc. et autres. Bah, vous connaissez la capitale aussi. Ouais. Ah, d'accord. Donc, non, c'est toujours sympa là-bas, on y mange très bien, c'est toujours très sympa. Et c'est surtout très bon. Et c'est niveau football, vous pourriez dire quelques mots sur l'Espagne ? Vous savez quelques joueurs de football connus d'Espagne ? En Italie. Ah. Désolé. D'accord, une dernière question. Est-ce que vous savez parler espagnol ? Non, du tout. Vous pouvez pas dire un petit mot en espagnol ? Un petit espagnol. Un petit espagnol ? Désolé. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup alors. Vous en prie. Merci. Bonjour.